Ouais, comme les potos, ici Iron Blazer, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après une petite absence, je sais qu'en ce moment je fais beaucoup d'absence et de revient et d'absence et de revient et d'absence et de revient. Mais les potos, là en ce moment avec les cours, c'est compliqué. Je vous avais prévenu qu'avec les cours, bah, ça allait être compliqué. Mais voilà, vous devez quand même me dire bravo parce que malgré que les cours soient compliqués, bah, je vous produis des vidéos, etc. Je suis quand même assez actif sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est pour ça que je vous ai cliqué sur la vidéo, parce que vous voulez savoir pourquoi les teams ne sont pas faites pour moi. Ouais, aujourd'hui les potos, ça va être pas un coup de gueule, ça va être rien de tout ça. Ça va être, je vais vous expliquer pourquoi bah, les teams, donc les teams comme la Apex, etc. Même si je sais que je ne vais jamais être pris par la Apex, attention. Mais les teams comme ça. Pourquoi je ne vais être jamais pris par ces teams. Le gameplay que vous aurez en fond est un gameplay à la Cuda. Très beau rush de ma part à la Cuda, tranquillement. Je serai souvent, vous allez voir dans le spawn avec ma Cuda en liaison satellite. Alors vous savez qu'en liaison satellite, les spawns c'est... Et bah pourtant le... Je vais le gérer comme il faut, même si il y avait 2-3 fils de pute, mais bon. Bref. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas fait pour être dans une team, etc, etc. Il y avait juste un culé je crois en face avec Mika, un truc comme ça. Bon, tout le temps toujours un mec comme ça, un truc du cul qui se perd dans le jeu, tu vois. Bref, comme je vous dis, je ne suis pas fait pour les teams. Pourquoi? Alors je vais donner plusieurs raisons. Alors déjà je tiens à m'excuser auprès de la Race Clan. Voilà, parce que bah, vous allez comprendre durant la vidéo. Alors il faut savoir qu'il y a quelques jours de ça, il y a la Race Clan qui sont venus sur mon live. Voilà, et simplement ils recherchaient une personne de plus pour leur team. Voilà, il suffisait juste d'une personne. Et je me suis postulé en tant que commentateur et ils m'ont accepté. Mais il faut savoir que je me plais pas du tout en fait dans une team, et pas particulièrement la Race, dans toutes les teams. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait le soir même de la quitter. Et je tiens bah, à m'excuser auprès d'eux, parce que bah en plus dans la cour où on était, ils m'expliquaient très bien que ils en avaient marre des gens qui quittaient pour n'importe quoi, etc, la team, etc. Du coup bah, ça m'a fait un peu chier de les quitter comme ça. Mais bon, moi voilà, j'ai toujours dit et je leur ai dit, je vais pas faire semblant, moi si j'aime pas, j'aime pas. Et voilà, il faut savoir que j'arrive pas à me plaire dans les teams. Pourquoi? Parce que tout simplement l'ambiance, déjà l'ambiance en général c'est soit trop sérieux ou soit les mecs ils se connaissent déjà entre teams. Et ben quand j'arrive moi, et ben, du coup ils se connaissent tous, ils me parlent pas trop, etc. Franchement je remercie et je mets un gros big up à la Race Clan qui m'a hyper bien accueilli dans leur team. Franchement trop trop bon délire, etc. Voilà, encore une fois les potos de la Race, les petits kikou, il n'y a pas de clash, hein. Moi voilà, c'est toujours mes potos, il n'y a pas de soucis, je jouerai avec eux de temps en temps, etc. Voilà. Mais il faut savoir qu'ils m'ont hyper bien accueilli, mais que c'est pas le cas de toutes les teams et que t'as des teams qui accusent mal. Ou alors quel est le problème? C'est que tout simplement on me met tout sur le cul. Qu'est-ce que j'appelle tout sur le cul? C'est que dès que j'arrive dans une team, en général, ok, bah dès que t'as fini ta vidéo, tu tapes le montage, tu tapes la miniature, tu tapes ci, tu tapes ça, tu tapes ça, tu me l'envoies, et si j'ose, si je prétends que c'est un bon commentary ou un bon gameplay, je l'upload. Sauf que moi ça marche pas comme ça. Alors je sais que j'étais pas chef dans les teams, j'ai jamais été chef dans des teams qui vont loin. Je suis beaucoup allé dans des teams où c'était pas moi le chef, et ça me... Et c'est pas que ça me plaît pas de pas être chef d'une team, parce que effectivement il va falloir que j'accepte qu'il y ait des chefs plus de moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est comment ils se comportent avec moi. Et j'ai l'impression en fait quand je vais dans une team, j'ai jamais mon mot à dire moi. J'ai l'impression que je dois toujours fermer ma gueule, dire que la team me plaît, voilà, faire de la pub, etc. Et c'est ça que j'aime pas dans les teams. Encore une fois, ça s'adresse pas à vous, la Raze, je tiens à dire que vous m'avez hyper bien... Vous, il n'y a rien à dire, je parle des autres teams en général. Hein. En général, voilà, moi, les chefs sont... tu fermes ta gueule, tu nous fais de la pub, tu nous fais les commentaires, tu fais monter les abonnés, et puis basta. En fin de compte, il n'y a jamais de remerciements.
Et puis en fin de compte, tu dois dire que du bien de la team et ça j'aime pas. Moi je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. Tu me plais pas, ben, je vais le dire. Ta team me plaît pas, je vais le dire aussi. Comment tu me parles, ça me plaît pas, je vais te le dire. Franchement, je dis tout ce que je pense. Voilà. Est-ce que c'est une qualité, est-ce que c'est un défaut? Franchement, j'en ai rien à faire. Moi je sais qu'en tout cas, ben, voilà, quand il y a quelqu'un qui me parle mal, quand il y a un truc qui me plaît pas, ben, je le dis, voilà. J'ouvre ma gueule et puis voilà. Et bah, beaucoup de teams, bah, ça leur plaît pas, effectivement, que je joue ma gueule, du coup, voilà, ils me virent, etc. Alors moi, pourquoi je ferais pas une team de moi-même? Tout simplement parce que moi, c'est la même chose. Autre part, avec toutes les teams où je suis rentré, il y a eu tout le temps des embrouilles quand j'étais là. Alors c'était soit parce que bah, les gameplays étaient pas là au bon moment, etc. Alors que quand je suis dans une team, j'ai toujours dit que je me donnais à fond pour la team, etc. Mais donner à fond ne veut pas dire me prendre pour un chien non plus. Et voilà, et moi c'est ce que j'aime pas dans les teams. Et c'est pour ça que ça sert à plus à rien que ça soit la Apex, j'en ai strictement rien à foutre. Maintenant ça sert plus à rien de me proposer d'être dans une team. Je refuserai parce que franchement, voilà, je trouve que c'est de la merde. Alors je respecte tout à fait ceux qui ont des teams, etc. Tracez votre route, faites votre chemin, j'espère que vous atteindrez le nombre d'abos que vous voulez. Mais moi je trouve que c'est de la merde tout simplement. Franchement le concept est hyper bien de se retrouver. Voilà, et ça m'aurait apporté que du bien en plus la Reza Clan. Tout simplement parce que ben, voilà, ça m'aurait rapporté des abonnés, même si c'est pas ça qui m'intéressait du tout. Mais ça m'aurait apporté aussi bah, des nouvelles connaissances de personnes. Voilà, j'aurais appris à connaître bah, des autres personnes que mes potes que je connais dans la vraie vie. Voilà, il y aurait eu des délires, etc. Et voilà. Alors évidemment, ce que j'ai fait, et bah, ce qui me semblait logique, par pur respect de ceux qui m'ont accueilli dans la team, c'est simplement que je me suis excusé. Tout simplement, j'ai dit bah, désolé les potos, mais pour moi, c'est pas, j'aime pas être dans une team, etc. Alors encore merci à Alex Nui qui a très bien pris mon départ. Voilà, il a dit ok, il n'y a pas de soucis, tu fais comme tu veux, etc. Je leur ai dit bonne continuation et voilà, je trace ma route solo sur YouTube. Voilà, sachez que moi j'ai besoin de personne pour avancer. Voilà, donc c'est pour ça, pour tous ceux qui vont dire ouais, t'aurais dû rester pour te faire des abonnés. Non, pas du tout, je suis pas quelqu'un de comme ça moi. Je prends pas comme ça les abonnés en mode... je rentre dans la team juste pour les abonnés. Non, mais franchement la team elle est au top. Je vais pas mettre leur chaîne en description, mais allez voir, vous marquez tout simplement Race Clan officiel TM. Voilà, vous allez trouver direct, ils ont 170 abos. D'ailleurs GG les gars pour ce chiffre d'abonnés, plutôt pas mal. Roi de tout 200, hein, y a pas de souci. Et voilà, donc voilà, pour toutes les personnes qui étaient au courant que j'étais dans la raise, voilà, n'allez pas insulter la raise, n'allez pas m'insulter en me disant ouais, t'as quitté la raise, etc. Je me suis excusé, je ne suis pas, encore une fois, je le répète pour pas qu'il y ait de malentendu, je ne suis pas en conflit avec la raise. C'est-à-dire que quand je dis que je quittais la raise, il n'y en a pas un qui m'a dit ah, nique ta mère. Non, il n'y en a pas un seul qui m'a dit ça. Ils ont tous bien pris, ils ont dit bah ouais, tu fais ce que tu veux, etc. Voilà, c'est tout. Franchement, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu je vais niquer ta chaîne, il n'y a rien eu de tout ça. Voilà, moi, ça reste mes potos, la raise. Et puis sur ce, les potos, je vous laisse là. Ça ne sert plus à rien de me proposer des teams ou quoi, parce que je sais beaucoup qu'il y en avait en attente pour que je rentre dans des teams. Donc désolé. Mais non, voilà, j'espère que le gameplay vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Encore désolé à la Rich Clan. Et bonne continuation les potos. Ne lâchez rien. Je viendrai quelques fois sur vos lives. Et puis si vous voulez qu'on fasse 2-3 games ensemble, il n'y a pas de souci. Bref, sur ce, je trace ma route solo les potos. Avec vous, évidemment. Merci encore aux 60 abonnés. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo, je pense, spéciale. Bref, sur ce, c'était Iron Blazer. Bye bye.